Bonne année Marie et bonne année à vous. Alors, j'espère que tu vas bien et que vous allez tous bien. Alors, on voulait faire un petit point sur le bullet journal. Clémence, est-ce que tu peux nous dire où on en est en ce début d'année? Ouais, en ce début d'année, on est à 50% de l'objectif atteint. C'est déjà énorme et pourtant, ce n'est pas suffisant pour vraiment finaliser le projet. Il nous reste 15 jours pour atteindre les 50% restants et donc on a besoin de vous. Et je voulais te poser une question, Marie. Comment et pourquoi créer un bullet journal de sophrologie? Eh bien, à la base, donc notre idée, c'est qu'on s'est rendu compte que, à force de surcharger notre quotidien, on a tous déjà oublié quelque chose d'important. Que ce soit un anniversaire, un rendez-vous chez le coiffeur, une séance de sport, et surtout nos résolutions, nos objectifs, on a décidé de créer un journal qui puisse rassembler tous nos objectifs de l'année. Ouais, c'est super. Et comment utiliser, pourquoi utiliser un bullet journal particulièrement de sophrologie pour développer ses capacités? Alors, les bienfaits d'un bullet journal, ils sont nombreux. Mais vu que nous, on allie à la sophrologie, ils sont encore plus nombreux. Donc, les objectifs sont principalement donc d'augmenter la confiance en soi, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a de nombreuses études qui ont prouvé que le pouvoir d'écriture est à libérer ses émotions et ses idées. Donc, ça va permettre d'améliorer son organisation et gagner du temps à tout noter, puis de mettre ses idées et ses objectifs au clair, mais aussi de définir ses objectifs, d'améliorer la discipline, ne plus rien oublier et surtout tout centraliser et se sentir bien et fier de soi. Ouais, vous allez retrouver des conseils, des exercices, des mantras, des cases, des dessins à faire, plein de choses qui sont ludiques, créatives, qui boostent les capacités et qui développent vraiment tout ce qu'on veut réaliser dans l'année à venir. Merci Marie. On a besoin de vous 15 jours pour atteindre les 50% restants. Donc, c'est sur KissKissBankBank. Il suffit de cliquer et de soutenir et de choisissez votre contrepartie. On a mis plein de contreparties parce que c'est un projet gagnant-gagnant pour vous et pour le bullet journal de sophrologie. Merci à vous. Au revoir. À bientôt.